Bon, ok. Bon, il y en a un juste là. Il est niveau combien, le coco? Coco. Alright, let's go, baby. Let's fucking go, baby. Oh my god, je suis tellement content. Oh my god, je suis tellement content. Oh my god, attends, attends, attends. Oh, let's go, niveau 150, les potes. Niveau 150, T-Rex, mâle. Oh bordel, il fait plaisir celui-là. Oh bordel, il fait plaisir celui-là. Ok. Oh là 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 là. Bon, je crève de soif, c'est pas vraiment le moment. Je pense que ça devrait aller. En plus, avec mon nouveau fusil mythique, je sais pas si je vais avoir assez de. Est-ce que ça. Non, ça n'a pas de. Heureusement, il faudrait que je boive. Je sais pas c'est quand environ, à quelle torpeur on s'endort. Mais bon, pour le moment, on lui garoche. Ah, 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 ah. C'est pas un très bon. Est-tu buggé ici? Oh my god, il est buggé. T'es buggé, mon gros. T'es buggé, mon gros. Reste buggé si tu veux. Ça m'irait bien comme il faut que tu restes buggé, mon ref. Putain, il est endormi. Let's go. Très peur, par exemple, qu'il soit vraiment buggé. Je vais essayer d'aller prendre mon. De l'eau pour pouvoir. Normalement, il devrait pas avoir d'argentavis proche. Est-ce que j'ai de la viande supérieure dans mon argentavis? J'arrête pas de tuer des trucs depuis tantôt. Let's go. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Please, ça soit un timing parfait là. Oh, please, ça soit un timing parfait. Enfin, la partie va avancer. Ça, ce T-Rex, les amis. C'est juste un timing là. Mais pour vous dire qu'un timing peut changer complètement l'histoire de la série, c'est ce timing-là, là. Viande supérieure, boum. 246. Mâle. T-Rex niveau 100, 100. Fucking 50, les boys. Ok. Viande supérieure. Mon bébé, je vais te protéger jusqu'à la mort. Je préfère mille fois mourir que tu meurs. Chercher pendant un autre 50 heures un autre putain de T-Rex. Je dis non merci, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que là, il est pas mal buggé dans le mur, j'espère. Je prie pour qu'il soit pas buggé. Je prie pour qu'il soit pas buggé. Si il est buggé et que je peux pas le sortir de là quand il va être debout, je pense honnêtement, les boys, c'est la fin de cette série. Ce n'est pas une joke, c'est la fin de cette série. Oh my god! Oh my god, yes, s'il te plaît, sois pas buggé. S'il te plaît, tu peux me suivre. Bouge, mon ref. Bouge! C'est ça, mon grand! T'es grand maintenant. Oh, let's go, T-Rex, mâle. Niveau 200 fucking 24, man. 200. 24. Le putain de T-Rex. On le fait. Et j'ai envie de pleurer, mon ref. Les refs changent, j'ai vraiment le. Putain. Et je vais vous raconter mon. Il faut que. Ça me. Vraiment, ça me. Ça me tente de le raconter l'histoire avec moi et T-Rex. Moi et T-Rex, là. J'ai. Ça fait très longtemps. Que je joue à Ark. Ça fait des années que je joue à Ark. Je n'ai jamais fini une map. Parce que finir le jeu, techniquement, pour finir complètement le jeu, il faut que tu fasses toutes les boss du jeu au complet sur toutes les maps, etc. Fait que
y a du monde qui l'a fait, bien évidemment. Il y a plein de monde qui l'ont fait. Mais c'est pas mon cas. J'ai jamais réussi à faire une map. J'ai toujours, je pourrais pas mal jouer dans The Highlands. J'ai presque pas été sur les autres maps. J'ai été très brièvement. Valguero, c'est ma deuxième map où j'ai le plus joué. Mais vraiment, elle que j'ai le plus joué, c'est The Highlands. C'est ma toute première partie où je fais des boss, puisque les autres parties, soit j'avais un manque de connaissances, soit je pense, oui, un manque de connaissances, mais beaucoup de fois, j'arrivais à un certain niveau, j'avais plus trop quoi faire, où j'étais bloqué, fait que j'en recommençais une autre, la partie juste me faisait chier, me pétait les couilles, alors j'en repartais une autre, puis juste refaire le jeu, ça me refaisait, ça me faisait plaisir. Mais bon, bref. J'ai commencé à vouloir sérieusement faire les boss. Pendant le let's play. Mon dieu, Jurassic Arc, je pense. Pendant le let's play Jurassic Arc. Mais ça, c'était pas mon manque de connaissances vraiment du jeu. C'était plus mon manque de connaissances au niveau de bien faire les paramètres. De sa partie solo. Fait que j'avais mis la niveau difficulté au niveau 1, mais j'avais malheureusement pas coché le truc difficulté maximale, entre grosses guillemets, difficulté maximale, parce que c'est pas vraiment. Je trouve que ça fait très extrémiste là. Ça exagère, je trouve, un peu le cas. Mais c'est ça, j'avais pas activé cette option. Ça faisait que j'avais des dinosaures très 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 bon niveau. J'en avais quelques-uns qui étaient haut niveau, mais vraiment très peu. Fait que des T-Rex haut niveau, j'en avais jamais. Vraiment, j'ai passé juste sur cette partie, la partie que je vous parle, Jurassic Park, j'ai peut-être passé, je sais pas moi, environ 50 heures pour trouver des T-Rex. J'en ai trouvé aucun. Les plus hauts que j'ai trouvé, c'était niveau 70, je pense. 75, 80, 90. Mais je pense 90, c'était le plus haut. J'étais tellement content quand je l'avais trouvé. Mais c'est ça. J'avais fait deux coupes de T-Rex, mais c'était vraiment pas assez haut niveau. Puis quand je m'en suis aperçu, j'ai directement arrêté de jouer à Ark, mais sans, pendant un bon bout de temps, où j'avais recommencé une autre partie à part. Je me souviens plus trop, pour être bien honnête. Mais je continuais à regarder du Ark. Ça a toujours été un jeu que vraiment j'ai au plus profond de mon cœur. Quand j'y joue pas, au moins je regarde du Ark. Ça fait des années que c'est comme ça. Puis là, j'ai pris connaissance de ce paramètre-là. Je l'ai mis dans cette partie. Puis là, pour être bien honnête, encore 50 heures faciles de recherche de T-Rex. Mais vraiment facile, là, je vous le dis très clairement là. Facile 50 heures. Facile 50 heures. Bon. On vous met en valeur lors de cet épisode et vous êtes ultra moche. Facile 50 heures de recherche. Fait que ça fait plus de 100 heures de recherche juste pour des fucking T-Rex. Bordel de merde que je suis content. On a notre fameux couple de T-Rex. Alors. Oui, ça donne un penchant littéralement à la série. Mais un truc qu'il faut dire également, c'est que c'est loin d'être fini. Là, il reste alors à trouver des bébés parfaits pour ensuite faire un couple de parfaits et ensuite faire plein de parfaits, avoir du bon breeding, ensuite aller les échauffer pour les boss. Ouais. Beaucoup, beaucoup de trucs à faire. C'est loin d'être fini. Mon dieu, je pense que c'est presque quasiment les mêmes couleurs que que la femelle que j'avais été niveau 135. Alors, on va un peu les comparer. C'est littéralement les mêmes couleurs, je pense. Je pense que c'est littéralement les mêmes couleurs. Vraiment, mes dinos, ils ont. En tout cas, mes dinos pour les boss, que ce soit les Megatherium, Moogles avec les Rex, c'est vraiment des couleurs très très simples. Les couleurs, ils sont pas, ils ont, on n'a pas été très loin. Et ça a vraiment pas l'air des stats folles, par exemple. Je commence à avoir le seum. Ou à moins que c'est elle qui a vraiment une grosse stat de vie. Qu'est-ce qui est possible également?
tu vois, 5000 de vie, ok. On va prendre note. On va prendre note pour les bébés, pour le breathing, etc. Bon, les potes, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode qui va vraiment mettre un tournant pour la série. Je suis tellement content, bordel de merde. Je suis vraiment content. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne année 2022. Ciao tout le monde. Peace.